Alors, on va faire cette petite boîte que je trouve super sympa et super mignonne. Voilà, donc elle s'ouvre comme ça. On retire le petit ruban qui est là. Voilà. Tout simplement. Tac. On vient retirer, hop, on va faire de ce côté-là, ce qu'il y a à l'intérieur. Et moi, en fait, j'ai mis des petits napolitains. Mais vous pouvez très bien mettre des Kinder, vous savez, les Kinder Surprise. Vous les placez au milieu, vous le rentrez dans la boîte. Hop, on tire de l'autre côté. Voilà, ça ne dépasse pas trop. On met notre petit ruban ici. On rattrape par derrière. On passe le ruban dans le trou qui est là. Tac, on le rattrape. Et on vient faire tout simplement, toc, ça je vais le retourner comme il faut, notre petite boucle ici en haut pour pouvoir fermer. Vous allez voir, vous pouvez le faire avec des chutes de papier. Voilà, bon là le nœud il n'est pas très bien fait, hein, mais voilà ce que ça donne. Voilà. Moi j'ai trouvé ça super mignon pour un anniversaire, pour des anniversaires d'enfants ou pour un baptême ou choses comme ça. Même vous pouvez mettre des petits sachets de dragée à l'intérieur, ça se voit pas. Et en fait, vous mettez ça devant, vous mettez le nom, le prénom de la personne, la date, et puis voilà. Hop, donc ça c'est tout simple. Donc du coup, moi j'ai pris des chutes de papier. Donc le premier papier, pour faire la structure extérieure, il vous faudra un morceau de papier de 10,2 par 15,24, c'est 15,25, 15,3. C'est parce qu'en fait, c'était en inch et je vous les ai mis en centimètres. Donc à chaque fois, c'est un peu galère. D'accord? Donc du coup, sur ce morceau de papier, on va prendre uniquement le grand côté qui fait 15,24. Moi j'ai fait quoi moi? On s'en fout, moi j'ai fait 15,3. Voilà, d'accord? Donc sur ce morceau de papier, on va faire un premier pli à 3,2. 1 et 2. Hop, je vais le retourner. On fait un pli à 7. 10,16, vous faites 10,2. Et 14. Ça va vous laisser un petit morceau sur le côté ici. D'accord? Donc on plie. Ça sera notre petite boîte. Tac. Tac. Et tout simplement, on va venir mettre du double face ici pour pouvoir. Double face au colle. Moi, j'ai du double face. Mais celui-là, il m'énerve parce qu'il se défait. Quand je le décolle, il se défait. Voilà. Est-ce qu'il va être du 1 cm? Je pense. Tac. Là, il va être un petit peu trop large, je vais le couper. Hop. Voilà. On va retirer la petite pellicule. Et tout simplement, on va venir coller. Voilà. Et là, on a notre petite boîte qui est formée. Alors, je l'ai collée un peu trop près, donc le double face il colle tellement bien que j'arrive à le décoller, c'est bien. Hop, j'ai un petit morceau en trop là, je vais couper. Pourquoi ça a du mal à couper? Ah, parce que j'avais du scotch. Voilà. Hop, donc là on a notre petite boîte, d'accord? Donc maintenant, on va prendre deux morceaux de papier identiques et ces morceaux font 15,25, vous faites 15,3 ou 15, ça peu importe, par 3,8. D'accord? Donc du coup, ce que l'on va faire, c'est que sur un seul morceau, on va faire un pli à 1 cm d'un côté, c'est ce que j'ai fait.
C'était 1/8 et j'ai fait 1 cm, c'est ça? Ouais. 1 cm ici. 1 cm ici. Hop. On va pouvoir faire la même chose sur l'autre. Je ne l'ai pas fait. Tac. Tac. Voilà. On va plier comme ça. Hop. Et tout simplement, on va mettre du double face des deux côtés. Et on va les coller l'un sur l'autre. Alors, celui-là, il va être un peu trop grand. Mais c'est pas grave, on le recoupera. Il faut que je le finisse parce que il colle comme il a envie. Hop. Je fais la même chose de l'autre côté. Tac. Voilà. On va défaire la petite pellicule. On va les mettre bien en face l'un de l'autre. Hop. Là, on fait pareil. Alors, comme c'était en inch, hein, vous avez peut-être... voilà. Et on va mettre notre petit Kinder Surprise ou autre au milieu. Donc, je vais prendre celui qui était déjà dedans. Donc, moi, j'ai pris un petit napolitain. On va le mettre ici, d'accord. Et il n'aura plus qu'à rentrer à l'intérieur. Sauf que avant, de chaque côté, on va faire un trou. Hop. Et voilà. On va rentrer notre petit napolitain dedans. On va le mettre dedans. Il rentre nickel. Hop. Le papier, faut pas qu'il sorte. J'ai Valco qui a entendu je sais pas quoi. Monsieur n'est pas content. Il vous pète. Voilà. On va prendre notre petit ruban. Alors là, j'avais mis un ruban couleur orange. On va prendre... J'ai pris un ruban couleur comment pour mettre là? J'avais sorti un ruban rouge. J'ai fait quoi de mon ruban rouge? J'avais sorti du rouge. J'ai plus mon ruban rouge. Tant pis, c'est pas grave, j'en coupe un autre morceau. Je vais le retrouver tout à l'heure, n'est-ce pas? Non, mais on t'a pas dit non plus de... Hop, on va le passer ici. Hop. Tac, on va passer l'autre morceau derrière, bien droit. On le passe dans le petit trou qui est là. Bon, alors, tac, on le met comme il faut, voilà. Ici, sur ce petit morceau, je vais coller mon petit sentiment. Du coup, je vais pas prendre ça, je vais prendre celui-là, il est moins large. Je vais regarder pour le mettre droit de là à là. Donc de là à là. Et je vais le coller sur le ruban. Je prends mon ruban. Hop. Voilà, et on n'a plus qu'à faire notre petit nœud.
Je vais y arriver à faire mon nœud, moi. Voilà. Hop. Non, mais... T'es douée pour faire ton nœud, Sylvie. C'est phénoménal. Donc là, il est un petit peu trop grand. Je vais tirer un côté. Tirer l'autre côté. S'il y en a en trop, je prendrai pour faire un nœud à la fourchette. Voilà. Hop. Et vous avez votre petite boîte à confiserie. Voilà, tout simplement. Moi, je trouve ça très très mignon. Bon, là, j'ai pas la confiserie pour mettre dedans. Mais voilà, moi, j'ai trouvé ça très sympathique. Ou même, vous pouvez mettre un petit rouge aux lèvres. Il tient dedans, hein, il ne va pas se casser la margoulette. Hein. Vous pouvez mettre un petit rouge aux lèvres dedans, ou un vernis à ongles, ou un petit tube de crème, voilà, un fond de teint, ce que vous voulez. Et je trouve ça très mignon. Voilà. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, les Sildingos, les Sildingotes, scrapez bien, et surtout, surtout, ne vous prenez pas la tête. Bisous, bisous, ciao, ciao.